Goedenavond allemaal, welkom op onze persconferentie naar aanleiding van de wedstrijd Cercle Brugge Waasland-Beveren 2-0. We waren vanavond met 5.983 toeschouwers hier in het Jan-Brijenstadion. Maar voor de analyse van de wedstrijd ga ik eerst het woord aan de bezoekendrainer, meneer Ferreira. Goedenavond, bonsoir. D'abord, félicitations à Laurent et au Cercle pour cette victoire méritée. Daarna, ja, we zijn niet zo goed aan de match gestart. Een paar kansjes weggegeven. Die mooie vrije schop op een plaats waar we misschien geen fout kunnen maken. En dan was het een beetje het verhaal van onze seizoen. Proberen we weinig weg te geven, niet genoeg te creëren. In de tweede helft hebben we onze verbezetting een beetje aangepast. Ik vond ons positioneel beter. Maar in wat we brachten, technisch, in de keuzes, was het nog altijd niet zo goed. En ja, toch bleven we in de match, omdat het nog maar 1-0 was. En jammer genoeg, 10 minuten, een kwartier voor het einde, hebben we nog die penalty weggegeven en een 2-doelpunt geïncasseerd. En daarna was het een beetje, ja, was het mentaal moeilijk om de match nog te eindigen. De moed was een beetje weg. Dus ja, ik hoop dat die eerste ronde, die 15 eerste matchen, een les voor ons zullen zijn. Omdat we moeten echt iets veranderen. Naar de toekomst toe moeten we veel beter en anders presteren. Dus laat ons hopen dat we lessen kunnen trekken uit die eerste ronde. Dank u, coach. Ik wil bedanken Yannick déjà pour ses félicitations. On est évidemment heureux, on connaissait le challenge de ce match face à un adversaire direct. Et qu'en cas de victoire, on avait la possibilité de prendre 8 points d'avance sur ce Waasland-Beveren. C'est chose faite. On a eu un challenge toute la semaine parce qu'on a à disposition, avec des retours de blessures, beaucoup de joueurs offensifs. Mais un entraîneur, quand il a beaucoup de joueurs offensifs, déjà, bon, il est content parce qu'on n'a pas toujours eu cette situation-là depuis le début de la saison. Mais de là en mettre un petit peu plus sur le terrain, c'est toujours une question d'équilibre. On est toujours à s'interroger si notre équipe a été équilibrée. Et c'est vrai que ça a été avec le staff beaucoup de discussions, mais on a pris la décision d'aligner deux attaquants, d'associer Cardona et de Belder. Quand fallait-il trouver un équilibre au milieu. Bon, ça a fonctionné ce soir, tant mieux. Il y a d'autres challenges qui arrivent. 19 points au bout de 15 journées. Je ne change pas d'objectif, je souhaite arriver aux 30 points dès que ce sera possible. Je vais parler une fois qu'on aura 30 points, si on arrive à les avoir, à ce moment-là peut-être parler d'autre chose. Mais on est quelques équipes là, on doit être concentré d'abord là-dessus. L'état d'esprit des joueurs à nouveau a été excellent, comme la semaine dernière contre Moucron et comme depuis le début de la saison. J'espère simplement maintenant qu'on sera au même niveau quand on jouera les équipes qui sont en train de se bagarrer entre elles. Et puis j'espère aussi qu'on a appris les grosses claques qu'on a prises contre les grosses écuries et qu'on sera un peu plus compétitif contre ces équipes-là. Mais on va savourer, on a 15 jours devant nous, de manière à récupérer, apprécier, mais très très rapidement continuer le travail pour préparer notre prochain déplacement qui est à Gaec. Merci beaucoup.